Eh bien, bonjour les amis, c'est B-Boy en compagnie de Chris. Yeah! Bonjour les amis, Chris, toujours présent dans la Dino Robotics, prêt pour de nouvelles aventures, B-Boy! Yeah, mon frère. Alors les Yeah! amis, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Ça nous encourage vraiment beaucoup, les amis. Continuez comme ça fait toujours plaisir. Yeah! Ouais, alors, mon frère. Aujourd'hui, je te propose une partie de chasse. Ok, ça me parle. Ah, est-ce que tu as dans ton inventaire la quête de la chasse des oiseaux de terreur? Oui. Alors, il te faut débloquer l'épée pour pouvoir la faire. Alors, je peux la commencer là. Tu peux déjà la commencer? T'as déjà débloqué l'épée, toi? Bien sûr que oui. Ah. Alors, non, il dit fabriquer une épée en métal. Bon, ok. Donc, du coup, l'épée, c'est dans quel, c'est dans les engrammes à quel niveau? Bah attends, j'étais dessus. Clac, clac, clac. Il va me manquer juste un niveau. J'ai passé pour débloquer l'épée. Bah, tu vas faire tout seul la quête de la chasse des oiseaux de terreur. Bah, génial. Parce Ah que merde, j'avais. j'ai une épée niveau 30 qui est débloquée déjà. Donc je suppose que c'est celle-là qu'il faut fabriquer. Ouais, c'est ça. Mais normalement, t'en as D'accord. déjà une, toi, sur toi, non? Alors attends, je regarde. Je regarde. Non, j'ai dû la laisser à mon avis. À mon avis, non, j'ai dû la laisser dans une de mes armoires ou un truc comme ça. Vu que je pense qu'on devait partir à la pêche au mégalodon, un truc dans le genre. Et c'est un peu trop lourd et inutile dans l'eau. Voilà. D'où, voilà l'adage, mettre des coups d'épée dans l'eau. Super bien Voilà. placé, mon frère. Donc, du coup, Ah, ouais, ça, c'est ça, c'est niveau 30. oui, ça y est, c'est déjà débloqué. Maintenant, il faut que j'aille. Je Bah, suppose écoute, dans l'artisan. c'est ça, tout est dans l'artisan. Ok, bon ben c'est parti. Alors, mais pour te dire l'épée, est-ce que je l'ai rangée ici ou au port? Alors là, Je sais plus. si en plus déjà je me souviens quelle est la porte de ma chambre ici. Alors, l'artisan. Ta-ta-da-da. Normalement, ça doit être dans armes. Je pense. Tu dois avoir arme de mêlée, quelque chose comme ça. Viens de m'aider. Non, je crois pas, non. J'ai primitif. Je sais pas ça. Si, peut-être. Primitif, mêlée. Ah. Et j'ai l'épée que je peux fabriquer. Moi, j'en ai déjà une, hein, j'en ai pas besoin. Ok. Bah, prends-la et puis la mets-la en main. Ok. Ça y est. Ok, parfait, Ah, mon c'est frère. validé. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons chasser l'oiseau de terreur, mon frère. Yeah! Prends garde à toi, le piaf. Yeah. Alors du coup, pour l'oiseau de terreur. J'ai fabriqué des selles parce qu'on va s'amuser aussi à les dresser. Ok. Parce que j'aimerais te montrer aussi leurs capacités. Alors, Et on va un les truc drôle chasser. avec. On On va va les les chasser ou on chasser. va les dresser? Les deux, mon capitaine. Et je te propose Ah, qu'on. ah. Et je te propose, mon frère, que nous allons regarder notre courrier. C'est parti. Le seigneur Chris va regarder son courrier.
Ah bah tiens, déjà, je crois que nous avons un postier. Ah, ok. Ryer 987. Ouais, big up à toi. Ouais, pas mal, pas mal. C'est quoi comme dino ça avec une rampe en métal? Alors ça, c'est un Quetzal, mon frère. Et ça vole? Ah oui, tu peux faire une maison dessus. Purée, et en plus je crois il a mis un dino dessus, si je peux me permettre. Ouais, il a mis un dino dessus en plus. Alors que ce comme dino. Un baryonyx. D'accord, connais pas. Ok. Sa vie dans les marais, ça mange beaucoup de poissons. C'est un des prédateurs les plus solides qu'on peut trouver parmi les prédateurs présents dans le biome des marécages. Je ne sais pas D'accord. s'il a bugué. Je te propose qu'on ouvre notre courrier puisqu'il en a déjà mis dedans. Yeah. Alors moi, j'ai reçu un petit cadeau simple. Ah, j'ai reçu du baume apaisant mineur. Alors, qu'ai-je donc reçu? Je pense qu'il est en train d'écrire une lettre. Ah, j'ai reçu un cadeau aussi. Que ce. Oui. J'ai reçu une cuisinière de chef. Oh! Ah, tiens, qui c'est qui nous attaque? Un dilophosaure. Ah, le lâche. Pendant que le Seigneur Chris regarde son courrier, tu oses t'attaquer à lui. Vermine. Vermineux. Je ne sais pas s'il est buggé ou pas. Il a l'air d'être bien concentré parce qu'il n'a même pas bougé pendant qu'il se faisait attaquer. Bah, je te propose, mon frère, qu'on aille chercher ces oiseaux de terreur. Ok. Après Donc, avoir battu la vermine. on vous dit à tout de suite, les amis. À tout de suite, c'est la pub. Et le seigneur Chris rentre dans son château. À tout de suite. À tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre sponsor du jour qui est Eagles Robotique. Eagles Robotique est une société qui conçoit et fabrique des ensembles de cartes électroniques, de systèmes automatisés que vous pourrez programmer à volonté, monter en kit. Notre sponsor du jour souhaite vous présenter aujourd'hui sa dernière innovation qui est le DIY bras robot 6 axes Bluetooth Arduino. Il peut être programmé de différentes manières et voire même livré avec un programme qui vous permet de le programmer par enregistrement. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions via le service après-vente qui est toujours d'une très grande qualité. Et tâchez de savoir que vous pouvez utiliser le code BUBOY5 pour avoir 5% de réduction sur la prochaine commande. Allez, à tout de suite les amis. Yeah, mon frère. Alors, il est où? Tu m'as dit qu'il était pas loin. Alors, Je vois des normalement, Galiminus. on croit la carte à la zone. Ah ben il s'est déplacé un peu. Il est par là en tout cas, tout droit. Alors là, je vois un ours. Petit, petit, petit. C'est un Galliminus. Il est par ici. Petit, Ah, petit, non. petit. Alors, normalement, le radar indique qu'il est là.
J'en ai vu un. Ah non. J'ai cru. Pas t'as cru. Ah si, il y en a un là. Il attaque en plus. Bon ben. Voilà. Fait que foutant tu trois. On l'a eu. On en a eu un déjà. Voilà, attends, je vais en tanker un là. Laisse-le moi. Ah, ouais, il faut en tuer trois pour réussir la quête. Alors, donc, les oiseaux de terreur, particularité, on peut les bolasser. Donc, ça se bloque avec juste des bolasses simples, efficaces. Donc c'est plutôt rapide à avoir. Hop. À la chasse, c'est particulier parce que ça donne uniquement que quelques... Qu'on appelle ça? Quelques peaux, quelques viandes. Alors, il est où? Ben, il est en cours de dressage, là. Presque. Par contre, j'en cherche encore deux autres. Ah, je crois qu'il y en a un là-bas. Allez, viens. Okay. Ah, je t'ai vu en tuer. Yeah! Ta viande sera consommée sans modération. Ah! Ça me fait penser qu'il faudrait que je donne de la viande à mon argentavis. Ouais. Je crois qu'on fait deux de tuer, il m'en manque un. Ah, je sais pas pourquoi, il se déplaçait lentement là, c'était bizarre. Ah, il est venu à moi. Donc. Ah, bien joué. Là, la quête de valider, mon frère. Eh alors, oui. Tu me fais un petit screenshot? Ouais, j'ai reçu une épée de chasse améliorée. Yeah, tu me fais un petit screenshot, s'il te plaît? Yeah! Ça mérite bien une chanson, les abonnés. Yeah! Du grand chasseur de l'île. C'est nous. Yeah! Yeah! Ouais, tu m'en trouves un et tu le bolasses. Ok. Ou alors tu me rejoins. Bah, je suis juste là. Voilà. Tu me rejoins et puis je te laisse surveiller celui-ci. Il faut lui donner quoi? Je lui ai déjà donné la viande. Alors, dressage 20%. Je lui ai déjà donné la viande. Bah ouais. Ouais, donc du coup, hein, les amis, pour les oiseaux de terreur, vous le trouverez là sur la carte. Donc au niveau de ce que vous pouvez lui donner à manger, vous pouvez lui donner tout type de viande. Évidemment, les viandes cuites de base seront les plus basses et les viandes primeurs crues seront les plus hautes. Et il faut savoir qu'il existe des croquettes, notamment la recette de croquettes des œufs de Galliminus, qui sont la nourriture préférée des oiseaux de terreur. Tiens, on va lui remettre un petit peu de narcotique. Hop, clac 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 clac. Je te laisse le surveiller, je vais essayer d'en trouver un deuxième pour s'amuser ensemble. Yeah! Et n'oubliez pas, hein, on attend toujours les prénoms. Ah ouais? Les noms pour les dinos. Donc, de toute façon, dans la prochaine vidéo, donc, on va passer en revue tous les dinos qui n'ont pas été nommés et on va piocher dans les commentaires. Préparez-vous!
Ta-da-da. Une fois qu'il sera dressé, on pourra faire la chanson à nouveau. C'est ça. 41,7%. Maintiens-lui bien avec le narcotique. Normalement, t'as dû en garder sur toi aussi. Alors, Oh, narcotique, ça oui. c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Carnot Alpha. Oh. Mais on n'a pas déjà un Carnot? Si, si. Dans ce cas, il faudra en bouffer un. Je vais garder sa position. Clac, clac. Tu vois, ce qui 40, aurait été 60. bien, ce qui aurait été bien, ça aurait été de pouvoir marquer des dinos. C'est-à-dire, tu croises un dino intéressant, allez, bim, tu lui mets une sorte de flèche traceur, et puis à Ah, ça n'importe quel existe, ça. moment. Ah bon? Eh ben, comme quoi, tu vois? Ça se débloque à quel niveau? Alors, je sais plus et je l'ai jamais utilisé, donc je sais pas trop comment ça marche. À mon avis, ça doit être un truc que tu dois viser et puis ça marque les dinos. En tout cas, s'il y en a parmi vous qui connaissent le procédé, bah, écoutez, ce serait sympa qu'on puisse savoir, qu'on puisse un peu voir comment ça fonctionne, comment on procède. Oui, mais je sais pas si tu peux le faire. Je crois que tu peux le faire sur les dinos que tu as apprivoisés. Je sais pas si tu peux le faire sur les dinos que tu n'as pas apprivoisés. Oui, non, mais sur nos dinos, par exemple, on leur met des colliers et ça permet de les repérer et tout ça. Mais est-ce que, par exemple, je sais pas, tu passes quelque part, admettons, mais tu n'es pas équipé pour. Tu repères un beau spécimen, en gros, tu le marques, et en gros, si tu veux, tant que personne ne le tue ni ne le dresse, le marquage reste. Et si jamais quelqu'un passe entre-temps, le dresse ou le tue, le marquage disparaît. Ça pourrait être sympa. Ah, il faudrait qu'on se fasse aussi des Akatinas. Ah, ce serait trop bien. Putain, et à chaque fois je cherche un dino, je trouve pas. Des oiseaux de terreur. J'en ai pas. Et puis là, je vais arriver. Ah, là-bas. Je crois que j'ai vu. 83,4%. Donc voilà. Non, ça pourrait être sympa, une espèce de marquage comme ça. Alors, ils sont quatre. Ok. Et puis de pouvoir en fait revenir plus tard, chasser ton dino ou le dresser. Ok. Attends, je vais en prendre un. Deux, un. Alors, le 150, il a l'air pas mal. Le 180. Ça y est, il est dressé. Bien joué, mon frère. Alors, je m'en suivis, c'est ça? Alors, est-ce qu'il me suit? Mais lui, mais lui, la selle, elle doit être dans son inventaire. Ah, ok. Bon, ma technique de dressage est un peu brutale, hein. Je laisse mon Argentavis tanker, qui lui donne plein de dégâts. Hop, on doit t'as mis course. Voilà. Il est où? J'aurais dû le bolasser. Il s'est barré. Ok, je lui ai mis la selle. Il veut quoi ce pteranodon?
Oh, je chevauche un oiseau terreur. Ah non, je suis trop lourd pour lui. Bon, c'est pas grave. Petit, Allez. petit, 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 petit. Où es-tu, Sir Herb Boy? Suis en train de poursuivre l'oiseau de terreur que j'ai commencé à essayer de dresser. Ah! Couillon. Parce que j'ai oublié de le bolasser. Ah bah il est là. Viens là, bébé. Alors le raptor. Tu vas finir ta peau. Voilà. Écoute, là, je porte mon oiseau de terreur avec mon argent Tavis. Après, d'ailleurs, là, il y a une très belle construction. Je sais pas qui c'est, la cabane dans l'arbre, là. Hop, screenshot. Mais pas mal. Il a fini dans l'eau. Est-ce qu'il n'est pas en train de... Non, ça va, il perd pas son oxygène. Bah écoute, par contre, j'ai plus de viande. D'accord. Mais en plus, je te vois même pas. T'es où? T'es vers l'eau? La terre à Beboy, la terre à Beboy. Regarde bien sur la carte et je dois avoir le... Non, je te vois pas. Tu vois pas mon oiseau? Non. Parce que pourtant, je lui ai mis un bracelet. Non, je sais pas, le seul bracelet que je vois, c'est le mien. Bizarre. Encore un bug. Ah. À tout de suite, les amis. C'est la pub. À vous les studios. Yeah. Bon, on en a réussi à en dresser un. Bon, de toute façon, le deuxième il était perdu dans les marécages. Ça a été compliqué. On s'est fait attaquer par différents machins. J'avais pas pris les croquettes et tout. Donc, ouais, le timing était un peu chaud, quoi. Chaud patate. C'est ça, mais bon. Ça va, on a réussi quand même à s'en sortir. Voilà, donc toi, tu as eu ta belle épée, grâce à la quête de la chasse des oiseaux de terreur. Donc ça, c'est un oiseau de terreur. Donc la particularité de l'oiseau de terreur, c'est qu'il est aussi rapide qu'un raptor. Extrêmement Ok. pratique parce que... ben, je vais prendre l'argent Tavis et je vais te montrer un truc. C'est bon, t'es prêt? Ouais. Regarde, il plane. Ah Donc, ouais. il est aussi bon qu'un raptor. Et en fait, la particularité, c'est que bah, dans les grottes où tu as des gros fossés, des gros ravins, eh bien, il va te permettre de pouvoir sauter plus efficacement les ravins. D'accord. C'est aussi un très bon récolteur de prime. Et en PVP, il est très intéressant de le dresser en petits groupes pour le mettre en attaque sur un joueur ennemi. Parce que comme il va tourner tout autour du gars. Bah, c'est une créature qui est super chiante à combattre. Je pense que tu l'as déjà remarqué en sauvage. Oui. Est-ce que tu veux bien me prendre avec l'argent Tavis et me remonter sur la plateforme, s'il te plaît? Attends, je crois qu'on a un Argentavis là qui tourne un peu trop autour de nous là. Ah, et qui attaque, bien évidemment. J'ai pas ce qu'il faut là, par contre. Hein. Il y a mon Comment? stuff dans mon. Ya!
C'est trop bien. Yeah! Bon, moi, je m'amuse, hein. Ouais, amuse-toi. Quand tu seras prêt à aller me chercher. Ah, mince, je suis tombé. De l'argent Tavis? Non, de la plateforme. En chassant l'autre Argentavis. Ah ouais, mais sans argent Tavis, on va pas pouvoir. Bah oui. Oh, les Heureusement que Bubboy, il a ce qu'il faut. t'as un grappin? Non, j'ai tout mis dans l'argent Tavis. Et c'est qui m'a fait un autre argent Tavis? Ok. Décidément. On dirait que je vous dois des sous. Mais bon. On va régler ça autour d'un bon plat. Allez, allez, t'es où? T'as réussi à tuer l'argent Tavis? Hein? À distance? Non, j'ai pris la hache. Ah, il y a toujours l'autre qui est là-haut, là. Coucou, viens là. Crois qu'il se bat avec nos argentavis. T'es où mon frère? Je suis juste en bas de la plateforme. Quand tu m'as récupéré. Ouais, je fais du rapt de Chris. Yeah! Et voilà. Donc du coup, c'était tout ce que je voulais te présenter par rapport au... à l'oiseau de terrain. Ok, mais bah écoute, pas mal. Tiens, il Bah est écoute... encore là, celui-là. Lequel? Ah, le gris, là. Bon bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Et puis on vous dit ciao les amis! Ciao, à bientôt les amis!